j'ai plongé bien souvent aux quatre coins du monde pour y chercher sans fin, dans les eaux très profondes, la réponse à toutes mes interrogations qui m'ont causé sur terre bien des désillusions. Souvent, je me demande pourquoi faut-il pour vivre prendre une autre vie? Pourquoi doit-on suivre cette loi inique de Dame la Nature qui s'applique, hélas, à toute créature? Quand mon corps se glisse dans les eaux argentées, entouré de poissons m'attirant vers le fond, je ressens une ivresse dont je ne sais le nom. Et j'oublie sur l'instant le noir de mes pensées. Le sol est recouvert de longs cheveux dorés qui se déploient et dansent au milieu des coraux, alors que les poissons font des rondes rythmées par les palpitations régulières de l'eau. Des gerbes de corail se dressent devant moi. Des branchages d'argent en jaillissent parfois, dessinant dans l'azur de belles arabesques qui atteignent parfois des tailles gigantesques. On est souvent frappé par la fragilité de ces architectures du monde aquatique qui semblent ignorer les lois de la physique. Par quel grand mystère peuvent-elles exister? Parfois viennent me voir, curieux et nonchalants, les maîtres de ces lieux dont la taille impressionne. Le grand requin nerveux, couleur acier luisant, et la raie tachetée dont la queue tourbillonne. Plus loin vient se glisser tout en se dandinant une tortue géante qui broute les coraux sous les yeux amusés d'autres poissons gourmands qui par curiosité se frottent sur son dos. Qui n'a jamais plongé ne peut imaginer la densité, la volupté du silence qui vous enveloppe de façon intense. On n'ose plus bouger de peur de le briser. La murène peureuse se cache sous les roches, le mérou goguenard tolère qu'on l'approche. Des poissons merveilleux parés de leurs atours, comme des mannequins défilent tour à tour. Peut-on imaginer un plus beau paradis? Tout est calme, serein et imprégné de vie. Un silence royal, une lueur diffuse. Dans les moindres recoins, toutes les couleurs fusent.
Peut-être manque-t-il, pour la beauté parfaite, d'entendre la musique, des danses des poissons. N'est-ce pas plutôt dû à nos limitations, nous privant de capter ces mélodies secrètes? Les lois de la nature dans ses fonds argentés, comme partout ailleurs, s'appliquent avec rigueur. Tout poisson doit manger, quelle que soit sa grosseur, mais il n'y a pas d'excès et pas de cruauté. Je crois avoir percé de ces lieux le secret. C'est qu'il est impossible à l'homme d'y rester et de tout posséder, diriger, réguler, comme sur la terre où il l'a si mal fait. On ne voit pas dans l'eau, comme on le voit sur terre, d'une même espèce s'entretuer des frères. Parfois, au nom d'un dieu, ou par vain fanatisme, si ce n'est quelquefois par simple égoïsme. Peut-être faudra-t-il qu'un jour nous l'acceptions, nous ne sommes pas de cette création. Les plus évolués, regardez les poissons, est-ce qu'il ne faudrait pas en tirer la leçon ? La nature donne, avec grande bonté, des trésors de beauté, quand elle est respectée. Dans ces lieux, j'ai perçu enfin la vérité. De la couleur des eaux, nous l'avons baptisée. La vérité est bleue.